je vous recommande de faire du sport ensemble et de jouer ensemble. Gros détail qui ne demande pas d'argent non plus, parce que de faire une marche rapide, hein, vous prenez un ballon, 2 $, 2 €, et puis vous jouez ensemble. Faites du sport ensemble et jouez ensemble. Avec, dans la famille Nicolas, pour être à 110%, même si on est très souvent ensemble dans nos voyages, partout. Je vous l'ai dit, c'est un projet familial. Je fais toujours en sorte, minimum 2 fois par semaine, on fait du sport ensemble. Minimum. C'est-à-dire, bon, quand les enfants ne vont pas à l'école notamment, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, tous les samedis matins et tous les dimanches matins, tous, c'est juste systématique, on fait du sport ensemble. Et en plus, les enfants, le dimanche après-midi, notamment cette année, ils passaient leur brevet de natation pour être secouristes aussi. Ils sont un peu comme papa, j'étais nageur aussi dans une autre vie. Alors, ils passent leur brevet aussi et ils font encore du sport, mais ensemble et en frère, et ensemble les deux frères, je veux dire. Et alors, la cohésion familiale, je fais surtout en sorte, en plus, pas surtout, mais en sorte aussi, que mes deux enfants s'entendent bien ensemble. Donc ça, j'ai toujours privilégié dans mon éducation que les deux enfants s'entendent bien. Il y a plein de techniques pour le faire, évidemment.